Oweni Radiologie, c'est une société qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, qui fabrique des appareils de radiologie dentaire, qui sont commercialisés dans le monde entier. Et je vais vous présenter son site de production de plus de 3000 m², site certifié ISO 13485 et ISO 9001. Aujourd'hui, nous, on va avoir différentes lignes de production. La première, ce sont les panoramiques, panoramiques 2D, 3D, cone beam, dans lesquelles on va avoir la première phase d'assemblage des éléments mécaniques, la partie câblage, et ensuite la partie montage du groupe rotatif, qui est composé du générateur, celui qui émet les rayons X, et du capteur flat panel, celui qui va recevoir les images. Toutes ces parties sont centrées mécaniquement, et c'est là où on doit être très très précis. Une fois que l'appareil est assemblé, on va le mettre dans des cabines plombées. Les cabines, on va réaliser des émissions à rayons X. Il y a plus de 300 clichés qui sont faits pour chaque appareil, avant de les sortir pour la partie emballage, avant l'expédition. On va voir aussi la production des capteurs intraoraux. Donc ce sont ces petits capteurs qu'on met en bouche, dans lesquels on va pouvoir avoir la partie du câblage, bien sûr, et ensuite l'assemblage avec la puce CMOS qui va à l'intérieur du capteur. Donc le capteur, il est positionné à l'intérieur de la bouche du patient, il va recevoir des rayons X et les interpréter en images noir et blanc radiologiques. La puce CMOS qui est à l'intérieur du capteur doit être fermée hermétiquement et étanche, donc waterproof. Et pour cela, on utilise la technologie de la soudure à ultrasons. Ce sont les deux coques qui sont assemblées par vibration et qui permettent une étanchéité parfaite du produit. La partie radio intraorale, c'est un ensemble composé d'une minuterie, d'un bras ciseau et d'un générateur à rayon X. Donc on va voir les différentes phases d'assemblage, aussi bien mécanique, électronique, la partie de la connectique et bien sûr la partie la plus importante, la fabrication du générateur à rayon X. Le générateur à rayon X, il est composé bien sûr du fameux tube à rayon X, anode cathode. Ensuite, on a la partie haute tension, c'est-à-dire qu'on va transformer les 220 volts en du 70 000 volts qui vont permettre de générer les rayons X à l'intérieur de ce tube. Le tout va être mis dans un bain d'huile pour l'isoler hermétiquement et dissiper la chaleur. L'ensemble générateur, bras ciseaux et minuterie qui va permettre de travailler avec les capteurs intraoraux. L'ensemble de nos produits passe toute une série de batteries de tests finaux, tests rayon X, haute tension et centrage réglage dans des cabines plombées pour les panoramiques ou alors dans des caisses plombées automatiques qui vont permettre de faire des volumes plus importants au niveau des tests. Tous ces tests de qualité, ça va permettre d'être certain que les produits, quand ils vont être livrés chez les clients, vont être parfaitement opérationnels et parfaitement réglés. Donc, sur ce site de production, on cherche toujours à améliorer la productivité. L'objectif qualité, c'est d'avoir des produits toujours mieux réglés, plus précis, avoir un confort pour nos employés et donc d'être toujours à la pointe de l'innovation sur l'ensemble de nos produits de la gamme imagerie.